Prenez garde aux poissons rouges qui nagent dans la mare. Car de l'union des forces de Vendeste et Nuages, il renaîtra Dragon. Dominateur, le directeur de la Fédération Mondiale des Arts Martiaux, veut depuis toujours régner en maître absolu sur toutes les écoles d'arts martiaux du monde. D'après la prophétie du Mood Bouddha, l'alliance entre Vendeste et Nuages doit un jour lui apporter d'immenses pouvoirs. Pour que ce rêve devienne réalité, Dominateur a fait assassiner leurs deux familles. Depuis, Vent et Nuages se sont initiés aux arts martiaux et ils ne rêvent que de vengeance. Il faut qu'on décuple nos forces si on veut avoir une chance de le tuer. Pour ça, il faut boire le sang de la flamme de Kilin. Non, c'est bien trop dangereux. Ce sang aurait trop de pouvoir sur toi. Traverser cette épreuve. Que la technique du cœur de glace t'aide à contrôler le sang en malfaisant de la flamme de Kilin. Sans quoi, tu perdras l'esprit et deviendras une machine à tuer diabolique. Vendeste, ne fais pas ça! Nuage et Vendeste, le sang de la flamme de Kilin ne peut couler que dans vos veines. Que l'union de vos forces attire vers vous le sang et que la flamme de Kilin s'empare de votre corps. Nuage, ton sang et celui de Vendeste ne font qu'un. Mais si le sang pénètre dans le corps de Vendeste, il ne faut pas qu'il pénètre en même temps dans le tien. Sinon Vendeste deviendra fou. Vendeste. Nuage, si je n'arrive plus à contrôler le sang, tue-moi! Dominateur, tu vas payer pour ce que tu nous as fait! Vous vous croyez de taille à m'affronter, peut-être? Pauvres inconscients! Mon cœur est de glace, et rien ne peut me résister. Mon cœur est de glace, et rien ne peut me résister. Rien ne peut me résister. Nuage, si je n'arrive plus à contrôler le sang, tue-moi. Yeah!
Tu as encore rêvé de vengeance? Fais pas ça! J'ai promis à ton père. Ah? Faites-le entrer. Venez avec moi. Lang, pourquoi la célèbre famille Ao de la maison du culte de l'épée se cache-t-elle sous terre? C'est dans la maison du culte de l'épée que cette famille forgeait autrefois toutes les épées de l'empereur. Un jour, ils furent injustement accusés de trahison et l'empereur fit assassiner tout leur clan. Les seuls survivants du clan, Jue Kei, réussirent à s'enfuir très loin. Je suis Duan Lang et je viens voir Maître Hao. En arrivant, je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer votre savoir-faire. Cela me rappelle les heures de gloire de votre maison. Épargnez-nous la guimauve. J'ai entendu dire que vous cherchiez à vous procurer le sang de la flamme de Qilin et je pourrais vous y aider. Le sang de la flamme de Qilin a disparu. C'est impossible de s'en procurer. Ce sang coule dans les veines de deux personnes que je connais. Le jour même où Vendeste et Nuage ont tué la flamme de Qilin, leurs corps ont absorbé son sang. Pourquoi on vous croirait? Parce qu'il y a un lien entre ma famille et la flamme. C'est l'épée de Qilin. Pour vaincre Vendeste et Nuage, il vous faudra l'épée de la famille Duan. En échange de quoi? En échange du contrôle de la Fédération. Manquez pas de kilo de vouloir mettre votre nez dans les affaires de Monsieur Cho. Monsieur, je vous en prie, coopérez, vous connaissez le règlement. Je vous préviens, s'il y a de la casse, vous paierez ça de votre poche. Oui, mais je... Je te rappelle que tu es gardien de cette ville. Vous allez cesser d'intimider mes hommes, non mais... De quoi s'agit-il? Oh, un cirque ambulant? Qu'est-ce que ça signifie? Madame Cho, bonjour. Bonjour, capitaine. Quelle belle journée. Aujourd'hui, Monsieur Cho fête ses 50 ans et il a engagé un cirque. Toute la ville est invitée à regarder les festivités. Vous voulez toujours nous fouiller? C'est qu'on nous a dit que la bande des chauves-souris projetait d'attaquer la ville. La bande des chauves-souris? Une attaque? Il nous faut plus de gardes. Allez en chercher, vite! Soyez sans crainte. Si la bande arrive, j'en fais mon affaire, croyez-moi. Passez-moi ça au peigne fin. Il est énorme ce cirque. Monsieur Cho voit les choses en grand. Les riches aiment en mettre plein la vue aux gens de la rue. Et comment? Si la bande des chauves-souris arrive, ils seront les premiers à se faire voler. Qu'est-ce que vous faites? Petit chien. Mon petit chien s'est échappé, rattrapez-le! Poursuivez les voleurs! Ils sont partis par là! Hé, petit chien, reviens! Regardez,
Le chien est parti par là. Vite, vite. C'est le moment d'entrer en action. Mais ça va pas la tête. Petit voleur, envoie mon argent. Hé, viens là. Capitaine Xiao, on a retrouvé personne. Ils sont partis par là, je les ai vus. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Oui. Hey. Quel crâne. Oh. Si elle me frappe, c'est sûrement que je lui plais. Oh, on a failli se faire prendre. Il faut apprendre à vous battre. Sans moi, il vous aurait attrapé. Yann, dis donc, c'est le chien de Madame Cho. Il doit valoir beaucoup d'argent. Ce chien est à moi et je veux que personne n'y touche, t'entends? Ying, ah, tu vas pas le vendre, hein, s'il te plaît, hein? Ça dépendra si c'est un gentil chien ou non. Qu'est-ce que t'as à aboyer? Attention, si tu continues, je te vends. Ah, il m'a pissé dessus, quelle horreur! Petit chien! Petit chien! Yann, laisse-le, reviens tout de suite. Petit chien! Hein? Mais... Hé, hey, petit chien, où est-ce que t'es allé, hein? Oh. Hein? Yann! Laisse le chien, reviens! Petit chien, pourquoi t'aboies comme ça? Yann, c'est dangereux. On laisse, on s'en va. Les filles, allez-vous-en. Laissez le corps ici. Il est vivant. Sauvons-le. Ne t'en bouge pas. Fichez le camp. Chai, tu peux m'aider? Yann, vite, dépêche-toi. Tu crois que c'est un méchant? Ça, on verra bien quand il se réveillera. Regarde, Yann, dis-moi si mes biceps sont aussi gros que les siens. Attends, tu sais quoi? Ses biceps sont aussi gros que ta tête. Il faut que je te retrouve. J'aurais bleu bête.
Monsieur, puis-je vous renseigner? Je veux votre plus belle pierre tombale. Par ici, s'il vous plaît. Tenez, le marbre blanc, c'est ce qu'il y a de mieux. Très bien, je la prends. Quel nom faut-il graver sur la pierre? Le nom de mon frère, Nuage. C'est entendu. C'est la toute dernière chose que je ferai pour mon frère. Elle doit être absolument parfaite. Une table pour une personne, par ici. Vous avez vu ça? Il a une épée. Où est le capitaine Ciaro? Où est la belle épée? Tout en haut. Je ne t'ai jamais vu ici. Cheveux longs, par où tu es entré dans la ville? Hein, dis? Parle. T'as quoi dans les oreilles? Le capitaine te demande par où t'es entré. Par le sud. Non, mais tu te fiches de moi, il n'y a que des précipices au sud. Peut-être, mais c'est par là que je suis entré. Ça m'est égal par où t'es entré. Il faut que je saisisse ton arme. Il n'y a pas à discuter. Laissez-le, arrêtez. Écoutez, en ce moment, les armes sont interdites dans notre ville. Personne n'a le droit d'en avoir. Les épées et les couteaux, c'est dangereux. Et vous pourriez accidentellement blesser quelqu'un. Les épées et les couteaux détruisent des vies. On veut juste vous prendre votre épée par sécurité pendant quelques temps. Ce long cheveu, il sait se défendre en tout cas. Ah, à cause de toi, j'ai failli perdre mon bras. Tu fais rien pour attendre. C'est pas ma faute, je l'ai pas fait exprès. Il est là, Vandest. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je m'en fiche. Tous ceux de la Fédération Mondiale des Arts Martiaux doivent mourir. La maîtresse arrive. Maîtresse. Mong, c'est Vandest de la Fédération Mondiale des Arts Martiaux. S'il se réveille, il nous tuera tous. Il vaut mieux le tuer maintenant. Pourquoi est-il venu ici? Amenez-le à l'intérieur. Hein? S'il se réveille, il risque de trahir notre présence. Je vous rappelle que si on se cache, c'est pour échapper à la Fédération Mondiale des Arts Martiaux. Vous vous trompez. Si on se cache, c'est pour échapper à l'escalade de tous ces meurtres inutiles. Il faut juste être prudent. Chers amis de la Fédération Mondiale des Arts Martiaux, Dominateur, notre directeur, a été tué par Nuage et Vandest. C'est une perte tragique pour notre fédération bien-aimée et nous sommes tous très affectés par sa disparition. Mais sans roi, un royaume ne peut exister. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour élire Tung Wang comme nouveau directeur. Oh, mais le directeur, c'est une blague, ça, alors. Vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi je serai le nouveau directeur. Regardez là-bas, c'est Duan Lang. Vous avez été renvoyé de la Fédération il y a déjà bien longtemps. C'est ainsi que vous osez parler à votre nouveau directeur? C'est un crime passible de mort. Ah oui, c'est ça. Aucune idée de comment on traite une dame. Pourtant, là, t'as affaire à une vraie beauté.
dominateur. Regarde où tu en es. Tu es par tes propres élèves, hein? C'est dérisoire, tu ne crois pas? Réveille-toi de chez les morts et regarde qui a pris ta place. C'est Duan Lang. Le poisson qui cuit dans un chaudron brûlant sait que ses minutes sont comptées. Pourquoi tenter le destin? Vous êtes maître de la Fédération? Quel est votre nom? Je m'appelle sans nom. Les noms ne servent à rien. Moi, c'est Aoju. Enchanté. Aoju? De la maison du culte de l'épée? Ao, vous n'avez pas attrapé beaucoup de poissons. Que des petits, et ils ne m'intéressent pas. Si vous attrapez un énorme poisson, cela déclenchera une nouvelle tempête. Ce sera catastrophique pour les gens qui habitent ici. Vous êtes du genre angoissé, maître. Un gros poisson! Si vous pêchez ce gros poisson, tous les autres perdront leur repère, et ce sera le chaos. Les faibles sont la proie des forts, c'est la loi de la nature. C'est ainsi. Et faire la guerre est inhumain et destructeur. Votre famille ne fabriquait jamais d'épées pour faire le bien? Le bien et le mal sont des idées absurdes de gens lettrés. Même l'empereur n'a pas su faire la différence entre le bien et le mal. Il n'a pas su le faire. Sinon, pourquoi aurait-il fait tuer toute ma famille? Non, tout ça n'a vraiment aucun sens. La haine engendre le mal, Ao. Débarrassez-vous de cette haine qui vous empêche de vivre votre vie. La nature n'a aucune pitié et les gens aucune loyauté.
ce n'est qu'une ombre. C'est mal de vous entêter de cette manière. Débarrassez-vous de votre haine. Personne ne peut m'arrêter. Ying, les gardes du corps de la famille Cho sont là. Je m'en occupe. Child, du calme. Enfin, vous tiens, petit voyou. Ça, vous avez un sacré culot. Voler le petit chien de Madame Cho. Ma sœur Ying, elle s'y connaît en kung-fu. Eh, quel est ton nom? Mon nom? Je l'ai oublié. Tu as oublié comment tu t'appelles? C'est pas grave, t'auras qu'à travailler pour moi. Pourquoi elle travaillerait pour toi? T'es la plus jeune. Pourquoi pas? Moi, je vais te donner un nom. Je vais t'appeler Vainqueur, parce que tu sais te battre comme un chef. Ouais, Vainqueur, ça te va bien comme nom. Le combat d'arts martiaux d'aujourd'hui permettra à Monsieur Cho de recruter ses nouveaux gardes du corps. Au suivant. C'est incroyable. C'est Dizzy. Regardez-moi. Mais il boit de l'alcool. C'est un candidat. Nous avons déjà 8 gardes du corps. Regardez-les, ils sont tous là. C'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Je les combattrai tous les 8. Prends ça. Yo. Ça alors, à lui tout seul, il les voit tous. C'est Vendest. Oui, tu as raison, c'est lui. Il faut aller prévenir la patronne. C'est pour payer l'alcool. Mong ne le tuera pas. On fait quoi? On le tue tout de suite, sinon on est cuit. Je suis d'accord, faut se débarrasser de ce gars-là. Allez préparer du poisson immédiatement. Une fois qu'on l'aura tué, on expliquera tout à Mong. Arrêtez. Regardez. Ce sont lui et Nuage qui ont éliminé Dominateur. Et vous avez failli le tuer. Yeah!
sœur. Hein? Lang? Ah, elle sent très très bon. Et c'est ta fiancée? Quel gâchis. Tu as ce que je t'ai demandé? Les sécrétions de cette larve empoisonnent le sang. Au bout d'une journée, le poison se répand dans tout le corps. Et ensuite, même si tu es un grand champion de kung-fu, tu n'as aucune chance d'y résister. Tu es un homme mort. Excellent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à le demander. Je veux le cheval. Il est à toi. Je n'ai pas osé te demander de venir avec moi. Lang, est-ce que tu as confiance en lui? Le guérisseur est imprévisible. On ne peut jamais savoir avec lui. Mais si tu lui donnes ce qu'il veut, il vendrait sa grand-mère. Tu veux contaminer le sang de la flamme de Kilin pour empoisonner Ju une fois qu'il aura tué Vendeste et Nuage? Encore faut-il qu'on les retrouve. Si on les retrouve, on fera d'une pierre deux coups. Vainqueur, attends. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut que tu gagnes ta vie. Je vais t'apprendre nos trucs. Il fait beau ici. Salut les gars. Ouch. T'es pas doué. Regarde-moi. On va voir si tu arrives. Comment il arrive à voir avec les yeux bandés? Tu as de bons réflexes. Essaie de voler mon sac. Allez. T'es gonflé? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Ah, tu peux récupérer le chien. Accroche-toi. C'est drôlement bien d'être sur le toit. J'adore ça. Ah. Vous quatre, allez chercher le chien, dépêchez-vous. D'accord. Oui. Et surtout, soyez prudents. Vainqueur, tu viens avec moi. Laisse-moi faire. Waouh, c'est incroyable. Personne au monde ne mérite ces trésors. Tu crois? Tu peux m'aider? J'ai envie de prendre la statue. Vainqueur, fais attention!
salut là-dedans. Arrêtez-les. Capitaine Xiao. Les enfants n'y sont pour rien. Laissez-les partir. Mademoiselle, nous avons attrapé les voleurs la main dans le sac. Mais comme c'est la première fois et qu'on vous a sans doute forcé, vous pouvez partir. Toi, tu restes ici. Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Taisez-vous. Partez, c'est une affaire qui doit se régler entre hommes. C'est la première fois que je vous vois. D'où est-ce que vous venez? Du sud. Hein? Mais vous aussi, vous venez du sud? Vous me paraissez suspect avec votre tatouage de Kilin. Vous me résistez? Il respire encore. Ah oui? Oh, ces gens du sud sont vraiment très forts. Pourquoi nous appelons-nous la maison du culte de l'épée? Il y a des années, nos ancêtres ont découvert un métal qui avait de grands pouvoirs. Ils ont voulu en faire une épée invincible et l'ont appelée Ju. Mais tous ceux qui essayaient de forger cette épée mouraient sans raison. C'était une arme redoutable et incontrôlable. Une bonne épée doit être redoutable. Mais un homme ne doit pas être contrôlé par son épée. Si tu es possédé par ton épée, c'est que tu as perdu ton humanité. Oui, père. Nos ancêtres ont ressenti le côté maléfique de l'épée. Ils l'ont donc enterrée sous une pierre tombale avant qu'elle ne fasse trop de dégâts. Ils ont ordonné qu'aucun de leurs descendants ne l'utilise et ils se sont assurés que l'on rendrait chaque année hommage à l'épée pour qu'elle protège la famille. Maître, notre famille a été accusée de rébellion par l'empereur. Les gardes de son Altesse sont déjà là. Voilà comment il récompense la fidélité. Maître! Maître! Kay, je sais que je t'aime bien. Mais le kung-fu que tu pratiques a des pouvoirs négatifs qui peuvent aller contre les pouvoirs naturels de Ju. Pour le bien de Ju, promets-moi de ne jamais l'épouser. Il faut qu'il sorte de la maison. J'ai trouvé le sang de la flamme de Kilin. Nous pouvons enfin déterrer l'épée et nous venger. Hein? Je veux venger la mort de mon père et la destruction de la maison du culte de l'épée, ainsi que la destruction de nos tombes ancestrales. Empereur maléfique!
c'est vraiment une épée maléfique. Excellent. Il vient de la Fédération mondiale des arts martiaux. Il risque de nous causer des ennuis. Il a tué Dominator. Cela a rompu tous les liens avec la Fédération. Mong, vous ne pouvez pas continuer à jouer avec la vie des autres. Vandest, je dois te tuer pour éviter que le chaos ne s'abatte sur la Fédération des arts martiaux. Vandest, arrêtez! Singe de feu. C'est le destin. C'est le destin qui veut que nos chemins se croisent à nouveau. Viens, suis-moi, s'il te plaît. Vaker, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir réellement confiance pour garder tout l'argent que tu vois ici. Que veux-tu en faire? Nous sommes tous des orphelins. Tout le monde nous méprise. Alors pour survivre, nous devons voler. J'aimerais bien... que les enfants aient un bel avenir. J'ai entendu dire un jour que si nous prenons un bateau et que nous longeons toute la côte vers l'est pendant un mois, nous arriverons sur une île magnifique qui s'appelle l'île de Panglai. Quand j'aurai suffisamment d'argent, j'emmènerai les enfants sur cette île. Vandest est ici? Oui, il est au village. Amenez-le-moi immédiatement. Les autres, vous allez chez les Cho. Allez-y. Hey!
Emportez-moi tout ça. Allez, viens, on va servir nous aussi. Monsieur, je vous en prie, pouvez-vous nous en laisser suffisamment pour survivre? Oui, je pourrais. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu n'auras plus de soucis d'argent. Oh, non, prenez tout pour vous. Prenez tout. Ne nous tuez pas. Allez. Sauve-les d'abord.
monsieur, nous vous remercions infiniment de nous avoir sauvés. Sans vous, la ville n'existerait plus. Merci infiniment. Je viens de discuter avec les anciens du village. Nous aimerions bien que vous soyez le nouveau justicier de la ville. Oh, justicier ? Ça veut dire qu'il va pouvoir nous arrêter ? Je suis bien meilleure que lui. Il peut pas m'arrêter. Le sang maléfique de Kilin a pris le contrôle du corps de Vendeste. On ne peut pas revenir en arrière. Si nous subissons une nouvelle attaque, nous allons tous mourir. Mood Bouddha, je vous en prie, essayez de le guérir. Mong, j'ai pris la résolution de ne plus m'occuper du monde et de ses problèmes. Mais vous devez l'aider, il vous a sauvé. Le problème, c'est qu'il ne tient pas compte des oracles. Je ne peux pas l'aider. Mood Bouddha. Vendeste est en dehors de la réalité, tout comme le sont les rêves. Où est la bande des chauves-souris ? Ils sont partis. Ma tête. Maître, laissez-moi être votre élève. Capitaine ! Je ne suis qu'un lâche, je suis la honte de la ville, je ne suis qu'un pauvre type. Capitaine Xiao, levez-vous. Chevelon, enseignez-moi le kung-fu. L'homme au tatouage de Kilin m'a ridiculisé. Je veux me venger. Qu'est-ce que tu as dit ? L'homme au tatouage de Kilin ? Là ? Oui, cette fois je l'aurai. Oh ? Il vient vers toi. J'ai réfléchi. Je ne peux pas t'empêcher de devenir justicier. Tu peux t'en aller. Quand tu seras nommé, tu n'auras plus besoin de traîner avec nous. Je ne serai jamais justicier. Mais vous devriez arrêter de voler, tous. Je m'engage à prendre soin de vous. On cherchera l'île de Panglai, d'accord ? Génial ! Mais pour l'instant, le plus important, c'est de guérir et de retrouver la mémoire. Oh ! Ying, t'as une drôle de tête, pourquoi est-ce que tu souris comme ça ? Comme quoi ? Vainqueur, il faut que tu viennes tout de suite ! La maman oiseau est blessée. Au secours!
Vous êtes prêts? Allez, attrape-le, ne le laisse pas s'échapper. Attention. Oh, attention. Dis-moi, où est-ce que tu as rencontré Nuage? On a tous les deux un lourd passé. Dominateur a tué nos parents. On a appris le kung-fu. Et on a pu se venger. Je suis Vendest. Vendest, Nuage, je vous ai enfin réunis. Comment était Nuage autrefois? Nous étions complètement différents. T'es fou? Ils n'auraient pas pu survivre sans leur mère. Ils seraient morts de faim. Je leur ai épargné cette souffrance. Et maintenant, Nuage n'est plus du tout comme ça. Tu lui raconteras son passé un jour? Je préfère pas. C'est la première fois que je le vois sourire. J'aime bien le voir comme ça, si heureux. À cause de mon père, je ne sais pas ce que c'est qu'être heureuse. Pourquoi? Mon père nous a quittés très tôt pour se consacrer pleinement aux arts martiaux. Même quand ma mère est morte, il n'est pas revenu nous voir, tu te rends compte? Mais ce qui est très étrange, c'est que ma mère ne lui en a jamais voulu. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je pense qu'en fait, ma mère aurait souhaité que je donne à mon père la possibilité de se racheter. La vengeance est sans fin. Nuage et moi, nous en savons quelque chose. Et même une fois qu'on s'est vengé, on n'a pas été plus heureux pour autant. Les gens avaient surnommé Nuage Dieu de la mort. L'ironie du sort, c'est qu'il n'est redevenu heureux qu'après avoir perdu la mémoire. Quand on dit adieu à l'entêtement et à la haine, on commence à revivre. Vendest, c'est bien la première fois que je te vois aussi heureux. Quand on était petits, on ne jouait jamais ensemble comme ils jouent avec eux. Je suis contente que tu aies enfin trouvé le frère qui te manquait. J'ai aussi trouvé une personne qui m'aime. Je vais rester avec toi et attendre le retour de ton père. Je suis vraiment content que vous ayez rencontré Mong.
Je suppose que vous vous sentez très heureux, n'est-ce pas? Si vous voulez que votre frère ressente la même chose, il faut partir tout de suite. Le Kilin est en vous deux, et à cause de ce lien qui vous unit, Nuage est votre pire ennemi. De votre alliance naît la victoire, mais aussi la défaite. Tous deux, vous êtes unis dans la vie, mais vous êtes aussi unis dans la mort. Et si vous voulez avoir une vie heureuse, abandonnez les arts martiaux. C'est le prix que vous devez payer pour être heureux. Tu penses que ton frère est mort à cause de toi, mais s'il te voyait aussi malheureux, il ne te ferait aucun reproche. Qu'il m'ait fait des reproches ou non, ça m'aurait été égal. Tout ce que je voulais, c'était son bonheur. Je donnerais tout pour qu'il revienne. Tu comprends ce que je ressens? Oui. Je dois partir. Où ça? Quelque part où je me sente bien. Si tu avais été mon frère, est-ce que tu penses que tu m'aurais tué? Oui. Il faut tenir ses promesses. Au revoir. Qu'on en finisse! Faudrait déjà m'attraper, je me laisserai pas faire! Qu'est-ce que c'est? Allez chercher le capitaine Xiao! Je ne veux que Nuage et Vent d'Est, et je tuerai tous ceux qui sont sur mon chemin! Je suis le justicier de la ville. Je dois les protéger.
de mes amis. Mais pourquoi ne pas m'avoir attendu? Je suis le justicier de la ville. Si vous voulez vous battre, battez-vous avec moi. Enfin! Maître Ao, sauvez-moi! Vendest! Je le veux vivant! Conçu spécialement pour vous, c'est la clé de Killa. Il faut aider Vendest. Oui. Il importe peu que je sois vraiment nuage ou non. Toi et moi sommes amis. C'est le plus important. Quand je l'aurai sauvé, je reviendrai pour vous emmener sur l'île de Panglai, d'accord? Maître Ao, tout est de ma faute. Je suis arrivé en retard et Vendest avait déjà tué Kay. Maintenant que vous avez pris le sang de la flamme de Killin, vous êtes invincible. Vous serez le maître du monde et je serai à vos côtés. Qu'est-ce que c'était? C'est l'épée de Killin qui a tué Kay. Vous croyez qu'un maître armurier comme moi ne s'en rendrait pas compte? Vous espérez que Guérisseur vienne à votre secours? Justement, il est là. C'est vrai que je veux boire le sang de la flamme de Killin. Mais je ne veux le boire que pour rompre le lien qui le lie à l'épée. Je ne veux pas du monde des arts martiaux. Je veux le monde entier. Vivant!
voulez les sauver, je vous les change contre le sang de Killin. Les ancêtres de Ao nous regardent. Aujourd'hui, l'épée de ma famille va libérer le sang de la flamme de Killin. Je ne crains pas la malédiction de mes descendants. Tous les moyens sont bons pour me venger. Cette épée est extraordinaire, et vous serez sa première victime! Tu es vraiment l'épée suprême. Il est encore temps de renoncer au mal. Il est encore temps de renoncer. Lâchez-la! Taisez-vous! Je vais vous tuer! Et je serai le roi de toutes les épées! Personne! Personne ne me tuera jamais! Yeah!
En héros et non comme un être maléfique. Que l'épée de la justice se batte pour le bien. Ouais. Lâchez l'épée! Si le diable de l'épée s'empare de vous, vous deviendrez le diable de Killin! De se battre que lorsqu'ils seront morts. Si vous voulez les sauver, relâchez-moi maintenant. Sauvez-vous. Il n'y a qu'une manière. Il faut les poignarder avec l'épée de Killin et sortir le sang de Killin pour qu'ils redeviennent eux-mêmes. Thank you.
non, Ying. 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 Au moins, je t'ai sauvé. Oh, dépêchez-vous de tuer Vandest. Il a perdu toute humanité. Pour lui, il n'y a aucun espoir. Non! On doit pouvoir le sauver. Je suis sûre qu'il y a un autre moyen. Vous êtes fou, il faut le tuer. Vainqueur, tu ne veux pas connaître ton passé? Non, mon ancienne vie ne m'intéresse pas. La seule chose qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de veiller sur vous. Ce que je sais, c'est que je ne trahirai jamais un ami. Et je n'oublierai jamais les jours où nous avons été heureux. Ah ! Vainqueur, Ying, je vois l'île, regardez !在你怀里，我沉睡到永远。